Ja to táto hru to je mana. Mete táto rimete tá ponu terfo. Ei jorana torapa. Jorana torto. Jorana te mautia maiti hia te nuna. Jorana te pereteni o te whenua. Iorana te mono pretini. Iorana te mou whātere hau at o. Pari mei te tapu ono te arufa iarhei. Iorana o tau te mou mero te maitihia te nuna. No te rapupu e te rapupu. No te ra whenua e te ra whenua. No te ra tuhoa e te ra tuhoa. Pari mei te tapu ono te arufa. Te arufa iarhei. Monsieur le conseiller économique et social, monsieur le président du Conseil économique, social et culturel, monsieur le sénateur, la séance est ouverte. Mesdames, messieurs, cette année, nous avons voulu faire en sorte à ce que les choses se déroulent conformément à ce que nous avions défendu depuis plusieurs années, la démocratie. Nous demandons, et la loi impose dans les mairies, chaque fois qu'il y a des consultations, qu'il y ait un isoloir. Et hier, j'ai pensé qu'il serait intéressant que dans cette enceinte également, on puisse faire la même chose. Voilà pourquoi vous voyez l'isoloir, pour que l'on puisse respecter la sérénité du vote. C'est des règles élémentaires. Et ces règles, je souhaitais les mettre en place également. Conformément à l'article 1er du règlement intérieur de notre institution, cette séance débute par le discours du président de l'Assemblée de la Polynésie française, même s'il n'est que président par intérim, suivi de celui du président de la Polynésie française. Je rappelle que selon le même article 1er, pendant le cérémonial d'ouverture, aucun débat ne peut avoir lieu. Je vais donc, conformément au règlement intérieur, tenir mon discours sur le pupitre. Monsieur le Président de notre Fénoua Théo Mahoui, Oscar Manoutaïtémod. Messieurs les représentants de l'État, même s'ils ne sont pas venus, l'État a voulu marquer une certaine neutralité aujourd'hui. Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Sénateur, Monsieur le Conseiller économique et social, Monsieur le Président du Conseil économique, social et culturel, Mesdames et Messieurs les anciens présidents de l'Assemblée de Polynésie, je ne sais pas si mon ami le sénateur Daniel Milo est là. Non, il est absent. Messieurs les représentants des confessions religieuses, Mesdames et Messieurs les chefs de service qui ont répondu présents, Mesdames et Messieurs les représentants du peuple, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs présents dans les tribunes et dans le hall, Mesdames et Messieurs les journalistes, grâce à qui tout le pays saura ce qui s'est passé aujourd'hui, et vous, le peuple, si cher,
à mon cœur, le peuple des îles du vent, de mon archipel depuis 1996 des îles sous le vent, des Tuamotu Gambier, des Australes et des Marquises, je vous adresse mes salutations les plus fraternelles. Farimei te tapon o terofo yerhei. Aujourd'hui, comme à mon habitude, je ne vous dirai que la vérité et rien que la vérité. Même si, comme je l'ai souvent répété, en reprenant une formule d'un des plus grands contemporains de cette planète, M. Nelson Mandela, je suis un homme libre d'être libre, je veux le redire pour certains encore dans cette enceinte. Car si on peut faire le deuil des erreurs passées, on ne peut pas enterrer et on ne doit pas enterrer des idées et ses idées. Aussi, et au risque de déplaire encore à d'autres, je me dois de revenir sur l'épisode qualifié par la presse de fronde des barbus. Il y a un ici dans la salle, il y avait un autre, imberbe. Le quatrième n'est plus là. D'août à septembre 2004, qui a débouché le 5 octobre 2004 sur les motions de censure des groupes Tahuel Ahuil Atila et Teara, qui ont scellé dans ce document le renversement du gouvernement Temaru I. Je ne peux aussi passer sous silence l'épisode de la négociation qui a duré plus d'une semaine et de la réconciliation inspirée par mon frère Kanak, Loulou Kotraouregué. Aujourd'hui, des plus dépités et qui m'a confié qu'il n'acceptait pas que sa parole ait été bafouée, sa parole piétinée et sa parole assassinée. Monsieur Ronald Terorotu et moi-même, nous avons été accusés à tort, notamment par certains cadres du Tavini Huil Atila, mon parti, d'être la cause de tous ces problèmes. Alors que la simple introspection du parti aurait révélé les erreurs de casting du gouvernement et ses débuts de dérapage budgétaire. Et je ne parlerai pas non plus du massacre de la laïcité, avec l'épisode de la croix qui nous a causé à tous tant de mal, tant à titre individuel qu'au niveau de notre image et de notre combat. Si dénoncer ce que nous avons toujours combattu, à savoir le gaspillage des fonds publics et la non-tenue des promesses faites au peuple, est considéré comme étant une hérésie au niveau de la ligne de conduite du parti et du groupe, alors je suis un hérétique. Personne, je dis bien personne, ne me fera jamais dire ce que je ne pense pas ou faire ce que je ne veux pas, à l'exception du Père Créateur. C'est mon éducation que je dois à mes parents. Pour ceux que mes propos choqueraient, je leur dirais que j'étais indépendantiste avant même la création du FLP, aujourd'hui devenu Tavini Huil Atila Notea Maho. Mon parcours de militant de la liberté depuis le collège Viennot l'atteste. Mon dossier de flic aux renseignements généraux et de secrétaire général d'Atiaïmoua avant que je sois révoqué en septembre 1995 le confirme.
Je suis et je resterai toujours indépendantiste dans le cœur, mais je suis un pragmatique. Jamais je ne ferai allégeance aveugle à un parti ou à un chef de clan au détriment de mes convictions politiques, morales ou religieuses. Si l'on me fait comprendre que je n'ai plus ma place, que je dois m'en aller, alors je prendrai les dispositions qui s'imposent. Monsieur Terroroto et moi-même n'avons donc pas cassé la majorité l'année dernière. Nous n'avons jamais trahi la cause. Nous n'avons jamais trahi la cause. Nous avons tenté d'aider l'UPLD à mieux voir ses faiblesses et à mieux résister à ses tentations pour ne pas tomber dans les erreurs de son prédécesseur. Nous avions été élus sur un programme, sur des idées, et il fallait tenir la droite ligne de ce programme par respect pour notre électorat des îles du Vent, mais aussi des archipels, même si nous n'avions pas eu beaucoup d'élus dans les archipels, et notamment des îles sous le vent et des australes. Mais que s'est-il vraiment passé? Nous avions obtenu un pouvoir, inattendu pour plusieurs, mais pas pour moi, que nous n'avons su ni maîtriser, ni gérer. C'est également notre manque d'expérience, notre incapacité à organiser notre travail et nos équipes, et le manque de communication entre le gouvernement et les représentants de la majorité de l'époque, d'une part, et nous et le peuple d'autre part, qui ont accéléré notre chute. Je constate néanmoins, aujourd'hui encore, que beaucoup parmi nous ont la mémoire sélective. Je sais, par expérience, ou pour avoir rencontré les uns et les autres, et j'en ai rencontré plusieurs parmi nous, que certains de nos élus préfère rester à l'ancienne formule, à l'ancien ticket Temaru Géros. Et je les comprends. Mais je leur demande de patienter et d'apprendre à nous respecter dans nos différences et surtout à tenir nos engagements respectifs et la parole donnée. Je ne vous demande donc pas d'oublier d'un coup de baguette magique, les contentieuses internes de l'an 2004, qui continuent d'occasionner des blessures morales toujours vivaces et profondes chez certains. Je vous demande surtout de ne pas laisser la rancœur dicter vos choix et vos décisions. Il faut toujours donner une seconde chance à son prochain quand il est encore temps. J'en ai donc fini avec cette remise à jour des événements. Mais je vous ai dit au début de mon discours que je ne dirai que la vérité et je m'y tiendrai coûte que coûte. Depuis le 15 novembre 2004, date de l'annulation des élections des îles du Vent, j'occupe la fonction de président par intérim de la deuxième institution du pays en ma qualité de premier vice-président succédant à M. Anthony Géros dont le mandat d'élu des îles du Vent venait d'être annulé par une décision du Conseil d'État et non pas par Hirohito Tewarere et Ronald Terroroto. Que s'est-il passé depuis cette date? J'ai tout simplement assumé, souvent seul, les responsabilités qui étaient devenues miennes par la voie extraordinaire du destin. J'ai dû réorganiser
tout ce qui m'avait été laissé par mes prédécesseurs. Un nouvel organigramme régit les relations au niveau de l'Assemblée. Pour ceux qui en douteraient encore, j'ai dû, par exemple, régler le problème de la vingtaine de chemises blanches, laissées en suspens, sans contrat et sans rémunération. Aujourd'hui, ce dossier est fort heureusement clos, même si des problèmes de sécurité au niveau de notre Assemblée restent encore à être réglés. Mais je me suis surtout attelé à restaurer une organisation du travail au sein de notre établissement. J'ai voulu également ramener un climat de dialogue, de confiance et de travail soutenu au sein de notre institution. Et je pense sincèrement y être parvenu en privilégiant avant tout l'intérêt supérieur du pays et jamais l'intérêt des partis. Concernant le personnel permanent, oublié et délaissé par mes prédécesseurs, j'ai fait mettre en place le statut du personnel de l'Assemblée, ainsi qu'une indemnité de législature que tous ont appréciée. Pour le personnel politique, il m'a fallu harmoniser toutes les situations, parce qu'il y avait des écarts énormes entre les chauffeurs de telle commission par rapport à d'autres. Tout a été harmonisé. Enfin, au niveau de l'institution, je suis en train de mettre en place le futur règlement intérieur que vous êtes en train d'étudier en groupe de travail temporaire. Ça n'a jamais existé auparavant. Sans oublier, bien sûr, les travaux d'agencement. Et tout cela du 16 novembre 2004 au 13 février 2005. J'ai véritablement joué un rôle d'équilibriste dans ma fonction de président. J'ai réussi à apporter le consensus même sur des dossiers difficiles. Je pense que je suis surtout parvenu à mobiliser tous les élus de l'Assemblée Light, les élus des îles, tant critiqués par le passé, afin qu'ils s'investissent personnellement dans le traitement des dossiers qui leur étaient soumis. Dans ces conditions, il n'a pas toujours été facile et de tout repos de gérer cette maison du peuple. Mais je suis fier aujourd'hui du résultat obtenu. Merci aux employés, merci aux élus des îles qui m'ont compris et qui m'ont soutenu. Je n'ai pas été l'homme du Tavini mis au service de l'Assemblée, mais le serviteur de l'homme au profit de l'Assemblée et du pays. Je ne vois dans cette charge que l'amour du peuple polynésien et l'amour de mon pays, ma terre nourricière. Je ne me perds pas dans les dédales des rumeurs de couloirs, où tout n'est bien souvent que jalousie et mensonge. C'est pourquoi je brandis haut l'étendard de la liberté, et notamment la liberté de la conscience et la liberté de l'expression qui me sont si chères et qui pourtant font que je me retrouve souvent désapprouvé par des politiques dont l'attitude ne correspond pas toujours à leurs convictions. Le drame de la Polynésie aujourd'hui, c'est que l'on continue à privilégier la politique de l'intrigue et celle du copinage. Mais pour faire plaisir, les politiques ne savent que dire oui, même s'ils savent pertinemment qu'ils ne pourront pas tenir leurs engagements.
Quand j'ai appris à dire non, grâce à mes deux mamans et à mon oncle Carlos, tonton Yorana, papa Yorana, quand il le faut, c'est mon éducation et c'est ma force. Et je comprends que beaucoup m'envient, car ils ne pourront jamais faire ce que je fais pour un tas de raisons que je peux comprendre. Ne faites pas de moi ce que je ne suis pas et arrêtez de me faire passer auprès du peuple pour un troublion, voire un traître à la solde d'un parti adverse. Et surtout, arrêtez de médire sur Hirohito Tefarede. Je suis comme vous, un homme, un Maori, un élu du peuple, avec ses défauts et ses qualités, certes avec son parler franc et direct, mais je respecte la divergence d'opinion et l'intelligence. Je ne conçois pas par conséquent que l'on veut jeter le discrédit sur ma personne, parce que je me présente à cette élection, alors que l'aval du président du gouvernement m'était acquis au départ. Aujourd'hui, cet engagement informel a changé, et l'on voudrait m'empêcher de terminer ce que j'ai commencé à construire à l'Assemblée. Pour ne citer qu'un exemple, il y a eu plus de dossiers examinés en commission spécialisée et en séance plénière sous mon mandat de 3 mois que pendant ceux de mes deux prédécesseurs. Il n'y a pas photo en la matière. Qu'en est-il par contre aujourd'hui du côté du gouvernement du pays? C'est vrai, élu que depuis à peine 2 mois. Combien de lois de pays, combien de délibérations ont été adoptées depuis le nouveau gouvernement? Quand on prend les statistiques des procès-verbaux, aucune loi de pays, aucune délibération, si ce n'est que des avis sur des projets de loi nationale. Est-ce cela pour les générations futures diriger un pays? Je dis non. Car la léthargie et l'immobilisme compromettent la relance économique et sociale. J'ai souvent entendu dire que c'est à cause de Hiro que l'UPLD va perdre la majorité. Eh bien, j'ai le regret de vous décevoir en vous disant que si notre président Temaru était mieux entouré, cela ne serait pas le cas et la majorité serait bien soudée et forte. On voudrait nous faire croire que l'incompétence est l'apanage du Tawi. C'est entièrement faux. Il y a de nombreuses compétences dans ce pays, tous bords confondus. Mais il faut arrêter de faire du social politique en distribuant des postes à responsabilité en remerciement de soutiens électoraux. Cette politique-là est révolue. C'est valable pour tout le monde. On doit migrer vers une conscience politique nouvelle où les esprits doivent s'exprimer dans une totale démocratie et où la compétence et la moralité seront les vertus des nouveaux dirigeants politiques. On ne peut plus se permettre de nommer et de rémunérer sur des fonds publics des sans-cervelle qui ne savent même pas recruter des collaborateurs valables pour assumer leurs fonctions. Le pouvoir ne s'improvise pas, et encore moins sa gestion. Cela
n'est pas une attaque envers qui que ce soit, mais la volonté exprimée de ma personne, d'un homme, de faire prendre conscience à certains élus que cette époque-là est vraiment finie, que ces comportements sont archaïques et inconscients pour l'avenir même de notre pays. C'est là où je fais confiance à l'intelligence humaine. Ne pourrait-on pas envisager une cohabitation parlementaire maori, originale, qui serait le prélude à une véritable démocratie digne d'une troisième millénaire, et par la même occasion mettre fin à une bipolarisation stérile et inopérante? La question est posée. Aussi, mes chers amis, mes chers adversaires, qui m'écoutez dedans et dehors et au-delà des ondes, je ne me suis pas assis sur ce siège de l'Assemblée pour me taire et faire semblant de travailler. Demandez à mes collaborateurs notre rythme de travail. J'ai choisi la voie la plus dure, celle de me sacrifier au travail pour vous, au détriment de ma famille, parce que j'estime en mon âme et conscience que je vous le dois, particulièrement à tous ceux et toutes celles qui ont voté pour l'UPLD et qui ont voté pour nous aux îles Soulevant ou pour Chantal, aux Australes. Je le dois aussi pour le bien du pays, mais je le dois surtout à toutes les générations futures, afin qu'elles sachent qu'à un moment de notre histoire, comme Poana Opa en son temps, Francis Sanford et John Te Ariki à leur époque, on s'est levé pour la vérité, pour la démocratie et pour la dignité. Je conclurai en rappelant à toutes les forces vives de notre pays, aux syndicats patronaux ici présents et aux confédérations syndicales de salariés ici présents, que le progrès économique, social, culturel et éducatif s'acquiert toujours dans la concertation et la négociation, malheureusement après des grèves, et que c'est seulement tous ensemble que nous pourrons construire notre avenir. Mesdames, Messieurs les représentants, votre choix du futur président de l'Assemblée de la Polynésie française réside maintenant entre vos mains. Et j'espère avoir su gagner, par la sincérité de mes paroles, votre confiance et votre respect, qui me permettront de mettre en œuvre toutes les actions qui restent à mener pour le bien-être de tous les Polynésiens et de notre si beau pays. Mais je sais, par expérience, qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Notre Assemblée de Polynésie mérite notre respect et notre peuple, notre gratitude et notre reconnaissance. Parimea te tap ono te faturo, tero foyer hai. Tato umumon au eroa roa narutui tu tato reu. Namua roa ra parimei te tapo no te arufai o tau pāto, na poro e hāno te ao maohine. O tau te maiti mei, te ore maiti mei, te arufai arhai. I roto i te roa ra o tau umumon o narutui te reo frani wa tatara o te huahua ra o tau umumon o. Poro puto rā tau hinaro i tunu e mua i tato. E i ta tātou nenhe, e ha mau te tei whanhor a pūri ki tamana hune, nā roto i te mon o taho. Me te pau e, ti roto tātou te whātura a, te raur a, e te tāe a, tera e tera, hap i nā mua tātou i a tātou e whātura tō tātou raur a.
Te piti o te mono o rei tau hi naro e tui mua ia o e te nuna. Matou nei te mauti a pori kita. Hapi i matou ia matou e parau te parau mau. Ia hauin ai mua e te nuna. Ei te wahi naro e parihi e wau e tātaha ware hirohiti te whaarele. Te tumu ia wau te emhana i horo a hua hua e te umu mono o nartu i te reo wharani. Ko te mea wau i te o wau. Wat aia o tau, te hua hua au te emu mono. Harimea te tapa ono te arofa, te tapa ono te whaaturo, e te tapa ono te heru, te arofa i arhei. J'invite Monsieur le Président du pays à prononcer son discours. Kia ora nei tō tātou whareriga i tēnei pūpū. Nā poroeha o te o māhu nei, tō te whenua o enana, tō te tuamutu e mārewa mā, tō te tūhāpae, rarumatai, niamatai. Hari mei te tāpa ono te arwha, iau tō ingi no mai e hamantātu o i tōu orerora i tōu mō manao nārtu i te reo Fran. Monsieur le Commissaire de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée de Polynésie, Madame et Monsieur les députés, Monsieur le Sénateur, Monsieur le Vice-président du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le Président de la Commission permanente de l'Assemblée de Polynésie, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée de Polynésie, Monsieur le Conseiller économique et social, Monsieur le Président du CESC, chers amis, je vous remercie d'être venus aussi nombreux à l'ouverture de notre première séance de la session administrative de l'année 2005. Il est vrai que cette séance revêt une importance particulière puisqu'elle va permettre à l'ensemble des représentants de l'Assemblée de choisir leur président et de procéder à l'élection du bureau. Pourtant, au-delà de ces choix déterminants pour la qualité et la sérénité des travaux de l'Assemblée, je souhaite rappeler les grandes orientations de notre programme de gouvernement avant de présenter quelques-unes des premières mesures que nous soumettrons à votre approbation. Conformément au discours de politique générale présenté à l'occasion de mon élection, les grands axes de notre politique visent le développement du progrès économique au service du progrès social dans un cadre institutionnel qui permettent le meilleur usage possible de la démocratie. C'est pourquoi je m'attacherai à vous présenter les premiers projets de texte concernant les mesures d'ordre économique, social et institutionnel qui vous seront soumises dès les prochaines séances. Au plan économique, nos priorités vont au développement à l'aide et au soutien des investisseurs, des entrepreneurs, de l'emploi et de la formation professionnelle, du développement de nos ressources propres. Les mesures de développement d'aide et de soutien en faveur des investisseurs et des entrepreneurs qui vous seront présentées se traduiront par une politique volontariste de poursuite et de relance des grands travaux. L'aménagement du fonds de mer de Papeete, lancement trop longtemps attendu du pôle de Faratea, achèvement du nouvel hôpital dès la fin 2007, ou reconstruction de notre plateforme aéroportuaire et de ses annexes. Des dispositifs d'aide financière, d'assistance technique et d'accompagnement pour stimuler l'investissement et l'activité des entreprises.
l'extension des dispositifs de défiscalisation à de nouveaux secteurs, comme les technologies de l'information et de la communication, ou les énergies renouvelables, la création de zones franches pour désengorger Papeete et stimuler la création d'entreprises sur d'autres pôles susceptibles d'intéresser les investisseurs étrangers. Les dispositifs de crédit d'impôt présentés conjointement par le ministre des Finances et celui de l'Emploi au profit d'entreprises créatrices d'emplois durables. Les mesures d'aide et de soutien en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle soumises à votre approbation viseront à motiver les personnes dans la recherche d'une activité, d'une véritable activité, plutôt que de l'aide acquise sans réelle contrepartie. Inciter certains jeunes à acquérir des compétences auprès de parents qui exercent ou ont exercé une activité familiale. Revaloriser les emplois dans le secteur primaire, notamment en ce qui concerne l'agriculture, qui manque de bras. Mettre en œuvre le principe de la rémunération minimale pour toute activité en utilisant mieux l'aide publique pour améliorer les contrats de travail. Permettre à des jeunes de reprendre l'exploitation familiale lorsque les parents sont en âge de partir à la retraite. Apporter un soutien aux salariés dont les entreprises connaissent temporairement une baisse de charges. Aider à la création de petites entreprises par des programmes d'aide et de soutien à la gestion et à la commercialisation. Mettre en œuvre des dispositions fiscales représentant plusieurs milliards par an pour soutenir l'emploi sans accroissement de charges. Optimiser l'emploi des fonds publics dans l'administration par la mise en place de règles strictes. Les mesures d'aide et de soutien en faveur du développement de nos ressources propres s'appuieront sur les mesures précédentes pour tous les secteurs d'activité. Pour le tourisme, qui représente la principale ressource d'avenir, les projets qui vous seront présentés concernent un plan d'action stratégique élaboré avec l'ensemble des partenaires pour atteindre l'objectif de 300 000 touristes en 2007, un programme ambitieux d'aménagement des sites touristiques et de développement de l'écotourisme, la mise en place d'un observatoire du tourisme chargé de centraliser l'ensemble des statistiques afin que les décideurs disposent d'un outil statistique fiable, indispensable à l'aide à la décision des professionnels et des institutionnels. Un projet de loi de pays réformant le régime de la croisière touristique afin de pérenniser et d'accroître l'exploitation des navires actuellement dans nos eaux, qui génèrent plus de 5 milliards de retombées dans l'économie du pays. La révision du texte sur le classement des structures hôtelières pour rehausser le niveau de nos prestations et être reconnues comme destination touristique de qualité. Les crédits du budget promotionnel du GIE Trade et Tourisme, qui seront portés à 1,5 milliard, dont 672 millions sont d'ores et déjà affectés à la promotion de la Polynésie pour la destination des marchés australiens et new-yorkais. Le devenir de l'aéroport de Traitif AA, avec le réaménagement de la plateforme et la mise en place d'un centre de formation des métiers de l'aéronautique. Face à ces mesures de développement, d'aide et de soutien de notre activité économique, notre gouvernement proposera des mesures d'ordre social pour soutenir le pouvoir d'achat, améliorer la santé publique et renforcer la cohésion sociale. Pour améliorer le pouvoir d'achat des Polynésiens, des projets de texte vous seront présentés qui portent sur la refonte de la réglementation des produits de première nécessité pour répondre aux besoins des ménages les plus démunis, en veillant à lutter contre les problèmes de malnutrition. La mise en place des prêts d'habitat bonifiés destinés à la première acquisition des ménages.
la révision du dispositif de prélèvement d'affectation de la taxe de développement local que nous connaissons tous, la TDL, l'application d'une plus juste répartition de la pression fiscale pour améliorer notre santé publique qui reste le parent pauvre de notre système de soins, les premières mesures soumises à l'approbation de votre Assemblée porteront sur le développement d'un véritable service d'aide médicale d'urgence, le SAMU, performant, couvrant toute la Polynésie, facilement accessible à tous. Sur la création d'un centre de soignants itinérants destiné à pallier rapidement aux vacances de postes dans les archipels éloignés. Sur la révision de la liste des produits de première nécessité, PPN, visant à éliminer les produits à trop forte teneur en sucre. Sur la collaboration avec l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour veiller à la qualité des produits alimentaires et au respect des réglementations en matière de soins. Sur la création d'un conseil des sages pour la médecine traditionnelle, chargé de faire un état des lieux et de proposer des recommandations. Pour renforcer la cohésion sociale et l'aide aux plus démunis, les mesures en préparation seront présentées à votre Assemblée au cours de cette session, concerneront l'extension des prises en charge par les fonds d'action sociale des aides aux personnes et des subventions aux associations familiales. La mise en place d'un dispositif d'assistance aux familles qui gardent et ou accueillent des personnes âgées, dépendantes ou des personnes handicapées. L'ouverture de formations d'auxiliaires de vie, d'aide ménagère ou d'assistante maternelle pour soulager les personnes ou les familles en grande difficulté. Au plan institutionnel, les propositions ou les mesures qui vous seront présentées porteront à la fois sur les révisions statutaires, sur les relations entre le pays et les communes et sur les relations internationales dont j'assume la charge. Concernant les révisions statutaires, j'ai souhaité imposer une pause à la surenchère pour grignoter les compétences de l'État, afin de nous consacrer à la mise en œuvre de nos propres compétences. Cependant, et comme je m'y suis engagé, et le représentant de tous les partis politiques et des représentants de la société civile seront invités à examiner une révision du mode de scrutin et des aménagements utiles au bon fonctionnement de nos institutions. À cet effet, je vous informe que je saisirai votre Assemblée sur le mode d'organisation de cette large concertation et sur l'examen d'amendements très prochainement pour une première ronde de consultation qui se tiendra dès le mois prochain. Les relations entre le pays et les communes est un dossier qui me tient tout particulièrement à cœur, tant je reste persuadé que les communes sont les meilleurs outils de développement. Lors du 19e congrès des maires de Nukuhiva, où j'intervenais pour la première fois en tant que président du pays, j'ai insisté sur la nécessité d'associer toutes les communes aux décisions qui concernent leur développement. Cet appel à la décentralisation se situe dans le mouvement général des idées qui guide notre monde pour situer l'action publique dans le cadre du développement durable, dont l'un des principes consiste à rapprocher les décideurs des citoyens. Les propositions qui vous seront soumises au cours de cette session ont pour objectif d'associer les élus locaux aux décisions prises pour le développement du pays. La mise en place des comités de développement d'archipel composés des maires de toutes les communes qui devront proposer au pays un projet de développement pour chacun d'eux. La coordination par le ministre du développement des archipels de ces comités et la mobilisation des efforts du pays dans chacun des ministères. La poursuite du relèvement progressif de la part des prélèvements fiscaux au profit du FIP
associer un effort de même importance de la part de l'État pour redonner aux communes les moyens de leur libre administration. La mise en place d'un fonds de développement des communes géré par un comité de gestion que je présiderai, qui associera une représentation des maires et des représentants de votre Assemblée. La révision des procédures d'attribution des subventions d'investissement aux communes dans le sens de la transparence, de l'équité et de la solidarité en fonction des projets intégrés au projet de développement de chaque archipel. Au chapitre des relations internationales, la reconnaissance de la Polynésie comme un pays d'outre-mer au sein de la République, doté d'une identité institutionnelle propre, passe par des accords et des échanges internationaux avec le reste du monde. Selon les domaines de compétences entre l'État et le pays, le président de la Polynésie peut habiliter par la France ou par votre Assemblée, peut être habilité par la France ou par votre Assemblée à négocier des accords avec des États, territoires ou organismes régionaux. Il devient par le fait l'ambassadeur d'un nouveau pays qui doit être reconnu comme tel et dont le rayonnement doit se faire de façon autonome en fonction des aspirations et des besoins de sa population. Les propositions qui vous seront soumises permettront de jouer ce rôle d'ambassadeur de notre pays dans le monde et plus particulièrement auprès de nos partenaires naturels de la zone Pacifique et de nos partenaires institutionnels que sont la France et la communauté européenne. Convention d'échange et coopération avec les pays particulièrement performants dans certains secteurs comme le tourisme, l'éducation, la santé, l'agriculture, la pêche ou l'action sociale. Ratification d'accords culturels et commerciaux avec nos voisins du Pacifique Sud sur la base de la coopération et de la complémentarité. Ouverture de représentation à l'étranger dans les pays de la zone Nouvelle-Zélande et Australie pour accroître notre tourisme et nos exportations. Mesures de négociation d'un statut particulier des PTOM dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle constitution européenne pour ouvrir de nouvelles perspectives d'accès à ce marché. Autant de sujets touchant aux relations internationales que j'aurai l'occasion d'évoquer avec le Premier ministre à Paris le mercredi 4 mai. Comme vous le voyez, votre gouvernement n'a pas chômé depuis son installation et je peux attester que chacun de ses membres sera fier de pouvoir œuvrer à vos côtés pendant cette session administrative pour contribuer à bâtir notre nouveau pays. Je vous remercie de votre attention. Maruru Yorana. Poirema. Marurua, notre tour, la maïto, tout à tourira. Notre fatoura est de taouira, tout à tout fait nous. Et tout pour te taouira, mais te peuwe, fatoura, y a tout prou, notre fatre à manhouni. Je te taouira, prou, notre fatre à manhouni, te verra te prou, te yamara, ou te fatoura, et te outaera. Mais te peuwe, et te fatoura, y a tout yamara, ou te tata. Yamaiti, te meltan, hinaru. Et puis, il faut prendre un fight pour un, et puis, il faut prendre un delta R. Rira, tatouti a mouïté, bébé, notre maïti prétitini. Taporar heu to tatou fenou, y a maïti tatou, il a traité amar. Et mero tatou et yaturida. Et tano, notre mouïté, y a pour ya, notre tamid a to tatou, huit atira, y a été raté, a été touré de tout le monde à Homatriti. Taïno a tué teria.
E tā puru hepar hei te evene i moi tātou te parahua no te whaahoturu ai tō tātou whenua. Mea rei mō tā puru hepa o te whiruri hia nei, nā mua roa, no te whia e ere nei te hepa te whirara tui te parau tō rātou orara. Te venei mō tā puru hepa o te whiruri hia, no te imira ai te morau e ato o ianen he te eu i a pirahai. Ia whānau e tui te parau tō rātou orara. Ianen hei rātou. Ia rido e whatu o hupa. Ia rā, ia vai noen i te tōroa rau e hupa. Tāwini te tai. Te venei te parau. Mata muro no te whahotura o tō tātou whenua, te parau ia no te whaapu. Te rau ai, whamura animara tita huia. Ia horo ahia te mauri ma pūai, te mana pūai, te arata ina aporti ta papu mai te ai, no te whahotura ai te e mo tuhua o tō tātou whenua. E vai nei. Whenua fofa a tei, ere te whenua me te para. Ki ratora i tātou. Ia i te e parau ta tātou i whaaro i hunei o o e tō ue rima. Whai tui tō. Ai tuitu i trawera ai te hupa no te whahotura ai tō tātou whenua. Te wei nei te parau no te imira a fofa o tere, o tō tātou whenua. Tā tātou te imira a fofa a matamoroa, e te mana orhei e wei nei mua i matu e whātere nei tō tātou whenua i te imhana. Ia rea hei tātou te whaito e turuhane re tauhutini tā tere tā mei tō tātou whenua, ia tā tātou e te matai te piti tautini e hitu. E re te e whenurira ai te tei moi moia, e te aturi papune matu e tapa. E rawe a mui rā tātou i te hupa, no tō tātou whenua te e te anira i tātou pōroa, no tātou te e whenua, e rawe a mui te hupa, no te whahotura ai tō tātou whenua, te e tā tātou o, e veiho no tua ai no ananhei, i e tai tō rātou tau. Te prau, no te whahotura ai te prau ti mira whawhao te rātere, ti tauhi tātou i rawe a mui ato i te hupa, e te mō whenua e whaatine i tātou, e te whenua ni o te rani, te whenua o te rarea, Rau newe whātai atu iu tui te teiporoi, tu mai te whātare hau nui, ma tā mua o te whenua o Tararia, John Howard, whātai meira i te tāpau no te hapopo, i tātou i te manara amai rutu i te e mai te rai meri onai rutu i tō tātou whenua. E te hapapu meira, i tō rātou hia, e rawe a mui i te uhipa, i o tātou, e te haufrani, tai no atu i te mō whenua, te mate te taho e no orupa, o te whahare rai tō tātou whenua. Te wei tō nei te parau, no te mō whanhor ai vene rutu i te e moana pativita tō tātou. I au te e papature, api e whātere nei tō tātou whenua, nen he mau ai tātou, i a whanhoi te mō tāpura hupa o, no te hamoa nei te mō pua hupa na tātou, o te mō whanhor a tā tātou hina arore rutu i te e mō whenua e whaati nei tātou, e tēnu atu i te mō whenua o te au nei, nen he tātou, e rawe i te e mō tāpura hupa. No te pahare rai tō tātou whenua e mua, I te tātou nen hei, i hui muri e nā o te mhana titi hiti au te rai tātou i te tō au te rā. Ai tu e man au e, nen he te mhana anan hei e hiti mai nā te tō au te rā, no te hare titi au te rā. Nuri a te mō parau tā tātou i whāro i hunei, te mō ohe pā, no muri veho tātou teri e i muri, e rawe a mui rā tātou i te hupa, no tō tātou nuna, no tā tātou hua i tamari, no anan hei maruru i oran. La séance est suspendue pour permettre aux personnalités ici présentes dans l'enceinte de se retirer.
La séance est reprise. Madame le secrétaire général, pouvez-vous donner lecture de la lettre de convocation de cette séance, s'il vous plaît? Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par lettre datée du 7 avril 2005. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynésie française tiendra la première séance de sa session administrative le jeudi 14 avril 2005. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par Monsieur Hiroki Tefarebe. Merci. Pouvez-vous faire l'appel des représentants? Madame Algon Emma, présente. Madame Birk Sabrina, présente. Madame Bouzi Hairaro Auxilia, présente. Madame Bob Dupont-Tamara, présente. Monsieur Bissou Jean-Christophe, présent. Madame Bouton Nicole, présent. Monsieur Brion Jacqui, présent. Monsieur Calson Jean-Michel, présent. Madame Chinfo Rosina, présente. Monsieur Domingo Dauphin, présent. Madame Flore Romans, présente. Monsieur Flos Gaston, présent. Monsieur Foster Temauri, présent. Monsieur Fribourgeon Alain, présent. Monsieur Fritsch Edouard, présent. Monsieur Géros Anthony, présent. Madame Haïti Pascal, présent. Madame Irshon Onutea, présent. Madame Iriti Teura, présente. Monsieur Koumoutini René, présent. Monsieur Lison Marcelin, présent. Madame Maria Emma, présent. Monsieur Gopeina, présent. Monsieur Mataoua Mairon, présent. Madame Mati Juliana, présente. Madame Merceron Armel, présente. Madame Mouévey Amou Véronique, présente. Monsieur Moutam Thomas, présent. Madame Nayetri Paye Amaron, présente. Madame Olivier Marise, présente. Madame Parker Eleanor, présente. Madame Pater Delia, présente. Madame Persegal Daniel, présente. Monsieur Piatin André, présent. Madame Richton Monique, présente. Monsieur Rivetta Frédéric, présent. Madame Rochette Stella, présent. Monsieur Sandras Bruno, présent. Monsieur Chil Philippe, présent. Monsieur Sommers Eugène, présent. Madame Taïro Lucette, présent. Madame Tara Guilinda, présent. Madame Tahiata Chantal, présent. Madame Tahoua Tama Juliette, présent. Madame Tama Françoise, présent. Monsieur Tefarere Hiroiti, présent. Monsieur Termate Ruben, présent. Monsieur Teritea Roberto, présent. Madame Teroakia Sylviane, présent. Madame Tétonou Ilana, présent. Monsieur Tétonou Inoua, présent. Monsieur Tonson Gaston, présent. Madame Tuchot Billard Catherine, présent. Monsieur Veilaroa Howard, présent. Monsieur Van Bastolet Raymond, présent. Monsieur Van Chou William, présent. Et Monsieur Yip Michel, présent. Merci. 57 représentants donc présents dans l'enceinte. Pouvez-vous donner lecture du projet d'ordre du jour? Monsieur le Président, la conférence des présidents réunie lundi dernier vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1, discours du président de l'Assemblée. Point 2, discours du président de la Polynésie française. Point 3, approbation de l'ordre du jour. Point 4, élection du président de l'Assemblée de la Polynésie française. Point 5, élection du bureau de l'Assemblée de la Polynésie française. Point 6, convocation de la prochaine séance. Et enfin, point 7, clôture de la séance. Voilà, Monsieur le Président. Je demande à l'Assemblée d'approuver l'ordre du jour proposé. Ceux qui sont pour? À l'unanimité. À l'unanimité? À l'unanimité. L'ordre du jour est approuvé. Nous passons maintenant au point suivant de notre ordre du jour, l'élection du président de l'Assemblée de la Polynésie française. Je demande à Madame le secrétaire général de donner lecture des articles 121 et 122 du statut de la Polynésie française et des articles 3, 4 et 28 du règlement intérieur. L'article 121 du statut de la Polynésie française précise que l'Assemblée de la Polynésie française élit annuellement son président et son bureau à la représentation proportionnelle des groupes politiques et dans les conditions fixées par son règlement intérieur. Article 4 du règlement intérieur sur la formation des pouvoirs du bureau. L'Assemblée forme son bureau à l'issue des cérémonies d'ouverture de sa première réunion. Il est renouvelé intégralement chaque année et dans les mêmes conditions lors de la première séance de la session administrative ordinaire. Les pouvoirs du bureau expirent à l'instant précis où débutent les opérations de son renouvellement ou en même temps que le mandat de l'Assemblée. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Mesdames et Messieurs les représentants, de la combinaison de ces articles, il revient alors au doyen d'âge, assisté des deux plus jeunes représentants, de mener les opérations électorales.
Monsieur Gaston Flos étant le doyen d'âge. Je l'invite à rejoindre le perchoir. Les deux plus jeunes représentants sont Mesdames Pascal Haïti et Madame Lana Tétouanui. Elles sont donc invitées aussi à prendre leur poste en lieu et place de Madame Tuichot et de Madame Véronique Hameau. Lui, il va aller à la place de Gaston. Nous attendons que donc le doyen d'âge arrive. Monsieur le doyen d'âge, pouvez-vous monter au perchoir? Monsieur le Président de la Polynésie française, Monsieur le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, Monsieur le Vice-président, Mesdames les ministres, Messieurs les ministres, Mesdames les représentantes, Messieurs les représentants, nous vous présentons nos salutations distinguées et respectueuses. Si vous voulez bien, nous reprenons l'ordre du jour avec la lecture des dispositions relatives à l'élection du président de l'Assemblée de Polynésie française. Madame la secrétaire générale, voulez-vous en donner lecture, s'il vous plaît? Article 3, alinéa 2 et 3 du règlement intérieur précise que l'élection du président a lieu au scrutin uninominal et secret à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si les deux premiers tours de scrutin n'ont pas donné de résultat, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas d'égalité de voix, le plus âgé est proclamé élu. Donc, séance tenante, le doyen d'âge invite le président à prendre place au fauteuil, puis rejoint son siège dans la salle. En ce qui concerne l'article 28 du règlement intérieur, il prévoit que le scrutin secret de droit dans les mêmes conditions que le scrutin public défini à l'article 27 précité. Alors, pour procéder au scrutin secret, chaque conseiller reçoit un bulletin dont la forme a été préalablement arrêtée par l'Assemblée de la Polynésie française et le dépose dans l'une qui lui est présentée. Lorsque tous les conseillers présents ont voté, le président et les secrétaires procèdent au dépouillement du scrutin. Ils s'assurent que le nombre de bulletins est égal à celui des votants. En cas de différence entre le nombre des votants et celui des bulletins, les bulletins sont détruits avant le dépouillement et il est procédé à un nouveau vote. Un secrétaire lit ostensiblement et à haute voix les bulletins l'un après l'autre, tandis que l'autre secrétaire inscrit les votes tels qu'ils sont lus. Le résultat est ensuite proclamé par le président. Les bulletins sont alors immédiatement détruits. Un bulletin équivoque, s'il est susceptible de modifier le résultat du scrutin, donne lieu à un nouveau vote. Enfin, l'article 122, alinéa 4 du statut, concernant les procurations.
Le vote par procuration est autorisé dans la limite d'une procuration par représentant à l'Assemblée de la Polynésie française et il est toutefois interdit pour l'élection du président de la Polynésie française, du président et du bureau de l'Assemblée de la Polynésie française et pour le vote d'une motion de censure. Voilà, Monsieur le Président. Afin d'assurer le secret du vote, ainsi que l'a demandé le président de notre Assemblée, il vous est donc demandé, à vous tous les représentants, de passer dans l'isoloir avant d'introduire votre bulletin dans l'enveloppe. Je demande au secrétaire d'âge de m'assister dans l'élection du président de notre Assemblée. Avez-vous des candidatures à présenter? Monsieur Briand. Monsieur le Président, je voudrais faire un rappel au règlement et revenir à l'article 28, l'alinéa 2. Si je peux me permettre, pour procéder au scrutin secret, chaque conseiller reçoit un bulletin dont la forme a été préalablement arrêtée par l'Assemblée de la Polynésie française et le dépose dans l'urne qui lui est présentée. En d'autres termes, l'initiative a été prise pour installer cet isoloir est en contradiction complète avec ce paragraphe. L'isoloir n'est pas interdit par le règlement intérieur. Donc je vous demande à tous de passer par l'isoloir. Avez-vous des candidatures à présenter? Monsieur Briand, vous n'avez pas la parole, il n'y a pas de débat avant l'élection. Monsieur Géros, de quoi s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit d'un rappel au règlement? Vous avez posé une question. Pardon? Vous avez posé une question. Permettez-moi de vous répondre à la question que vous avez posée. Non, vous demandez la parole et vous n'obtenez la parole que s'il s'agit d'un rappel au règlement. Sans cela, il n'y a pas de débat. Avez-vous des candidatures à présenter, s'il vous plaît? Monsieur Géros n'a pas la parole. Avez-vous des candidatures à présenter? Comment pouvons-nous présenter nos candidatures si vous refusez la parole à ceux qui le demandent? Il n'y a pas de débat. Si vous me dites que c'est un rappel au règlement, je vous donne la parole, mais vous ne me dites pas que c'est un rappel au règlement. Il n'y a donc pas de débat. Je n'ai jamais parlé de rappel au règlement. Je Alors, lève le doigt, je vous dis, débat. Je réponds à votre question. Alors, d'accord. Alors vous avez la parole. Si c'est pour présenter une candidature. Le groupe UPLD présente ma candidature aux fonctions de président. D'accord. Monsieur Géros, excusez-moi, parce que habituellement c'est un autre candidat qui présente sa candidature. Monsieur Édouard Frisch, merci, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président et bonjour tout le monde. Président, nous allons présenter une dame. Une dame qui a été courageuse et qui est courageuse d'être parmi nous aujourd'hui puisqu'elle arrive au terme de sa grossesse. J'ai l'honneur de présenter la candidature de Madame Lana Tetouanou. Monsieur Tefarere. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de présenter ma candidature. Y a-t-il d'autres candidatures? Donc, nous nous trouvons en face de trois candidatures, celle de M. Géros présentée par lui-même, celle de Mme Lana Tetouanoui et celle de M. Hiro Tefarere. Je vous propose une suspension de séance pour permettre au secrétariat d'imprimer les bulletins. Pas d'objection, la séance est suspendue.
pour la séance est donc reprise. Je viens de m'entretenir avec le président du groupe Taho Erahuil Atira et le président du groupe Teara qui font suite et qui acceptent la proposition de président de l'Assemblée de passer par l'isoloir. Mais surtout, ils ont souligné, et je pense que c'est cela qui est important ce matin pour nous, la volonté du président de la Polynésie française que chaque représentante et chaque représentant vote en toute liberté. Quel vote plus libre est celui du passage dans un isoloir? Et c'est le véritable vote démocratique que celui-là. Donc j'espère que tout le monde acceptera de passer par l'isoloir. Nous procédons donc à l'élection. Je serai assisté par les deux représentantes les plus jeunes de notre Assemblée et vous demande donc, Madame la Secrétaire Générale, d'appeler les représentants qui se présenteront donc devant la table, prendront leur bulletin et leur rappel au règlement puis intérieur, se dirigeront dans l'isoloir. Monsieur le Président, rappel au règlement intérieur. Leur bulletin monsieur le Président, rappel au règlement intérieur. Et déposeront monsieur le Président, rappel au règlement intérieur. L'enveloppe dans monsieur le Président, rappel au règlement intérieur. Le scrutin est ouvert. Monsieur le Président, rappel au règlement intérieur. Monsieur le Président, rappel au règlement le intérieur. Le scrutin est ouvert. Monsieur le Président, rappel au règlement intérieur. Vous pouvez pas m'interdire de prendre la parole, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Vous ne pouvez pas m'interdire à prendre la parole. C'est un rappel au règlement. Il n'y a plus de rappel au règlement, Monsieur le Président. Le scrutin est ouvert, plus personne ne doit prendre la parole. Très bien. La démocratie, c'est de passer à l'isoloir, Monsieur Briand. Mesdames les secrétaires, voulez-vous montrer que l'urne est bien vide? Madame Algan, vous pouvez voter. À voter. Madame Big Sabrina. Madame Bouzi Herrero Auxilia. À voter. Madame Bob Kipotamara. À voter. Monsieur Bissou Jean-Christophe. À voter. Madame Bouton Nicole. À voter. Monsieur Briand Jacquie. À
Monsieur Calson Jean-Michel. À voter. Madame Chinfo Rosina. À voter. Monsieur Domingo Dauphin. À voter. Monsieur, Madame Flore Romance. À voter. Monsieur Flos Gaston. À voter. Monsieur Foster Temauri. À voter. Monsieur Frébourg Jean-Alain. À voter. Monsieur Fritz Edouard. À voter. Monsieur Géraud Santomi. À voter. Madame Haïti Pascal.
à voter. Madame Irshan Onoutea. À voter. Madame Iriti Teura. À voter. Monsieur Kohumoitini René. À voter. Monsieur Lison Marcelin. À voter, Madame Maria Emma. À voter. Monsieur Marais Urateina. À voter. Monsieur Matawa Mairon. À voter. Madame Mati Juliana. À voter. Madame Merceron Armel.
sur 9. Madame Mouévey, Amo Véronique. À voter. Monsieur Moutam Thomas. À voter. Madame Naya Teripaya Amaron. À voter. Madame Olivier Marise. À voter. Madame Parker Eleanor. Madame Pater Delia. À voter. Madame Persegal Daniel. J'ai passé. À voter. Madame Richton Monique. Monsieur Rivetta Frédéric.
à voter. Madame Rochette Stella. À voter. Monsieur Sandras Bruno. À voter. Monsieur Gilles Philippe. À voter. Monsieur Sommer Segem. À voter. Madame Taïro Lissette. Madame Tahara Guilinda. À voter. Madame Tahiata Chantal. À voter. Madame Tahuatama Juliette. À voter. Madame Tama Françoise. À voter. C'était Farere Hirohiti. À voter. Monsieur Térématé Ruben. À voter. Monsieur Téritéhe Roberto. À voter. Madame Teruatea Sylviane.
a voté. Madame Tétonou Ilana. À voter. Monsieur Tétonou Inoua. Thompson Gaston. À voter. Madame Tuchot-Billière Catherine. À voter. Monsieur Veyran-Rouahouard. À voter. Monsieur Van Bastolaire est mort. À voter. Monsieur Van Chou William. À voter. Et enfin, Monsieur Yip Michel.
Voilà, Monsieur le Président, j'ai appelé tout le monde. Plus personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. Mesdames les secrétaires, voulez-vous procéder au dépouillement? Dépouillé et lisé. Ostensible. Antoine Géros. Antoine Géros. Lana Pétoineau. Antoine Géros. Lana Pétoineau. Antoine Géros. Lana Pétoineau. Lana Pétoineau. Antoine Géros. Lana Pétoineau. Bulletin blanc. Lana Pétoineau. Antoine Géros. Antoine Géros. Lana Pétoineau. Antoine Géros. Lana Pétoineau. Antoine Géros. Lana Pétoineau. Lana Pétoineau. Antoine Géros. Lana Pétoineau. Lana Pétoineau. Lana Pétoineau. Lana Pétoineau. Antoine Géros. Lana Pétoineau. Lana Pétoineau. Antoine Géros. Antoine Géros. Antoine Géros. Antoine Géros. Antoine Géros. Lana Pétoineau.
Antoni. Antoni Giros. Nana Tetuani. Nana Tetuani. Antoni Giros. Nana Tetuani. Antoni Giros. Nana Tetuani. Antoni Giros. Antoni Giros. Antoni Giros. Antoni Giros. Vous avez compté? 27 giros. Voici donc le résultat du scrutin. 57 représentants composant l'Assemblée, 57 représentants présents, 57 bulletins trouvés dans l'urne, 3 bulletins blancs, ce qui nous donne 54 suffrages exprimés. Ont obtenu Monsieur Giros, 27 voix. Madame Lana Tetuanui, 26 voix. Et Monsieur Hirote Farere, une voix. La majorité absolue exigée n'ayant pas été obtenue par aucun des candidats, nous devons procéder à un second tour des élections. Monsieur le Président. Monsieur le Président, rappel au règlement.
Monsieur le Président. Monsieur le Président, rappel au règlement de la part du président du groupe UPLD. J'ai triché. Monsieur le Président. Monsieur le Président, rappel au règlement. Monsieur le Président, rappel au règlement. Combien de suffrages exprimés? Monsieur le Président, 54 suffrages exprimés. Oui, si c'est un rappel au règlement, Monsieur Giraud, vous avez la parole. Voilà. Combien de suffrages exprimés, Monsieur le Président, s'il vous plaît? 54. Quelle majorité qui permettrait à celui qui remporterait les élections de passer au premier tour? La majorité absolue est de 28 voix. Combien de suffrages exprimés? Je recommence la lecture du résultat. 57 représentants composant l'Assemblée, 57 représentants présents, 57 bulletins trouvés dans l'urne, 3 bulletins blancs, soit 54 suffrages exprimés. La majorité absolue est donc de 28 voix. Ont obtenu M. Anthony Géros, 27 voix, Mme Lana Tetuanui, 26 voix, Monsieur Hirote Farere, une voix. Un second tour est donc indispensable. Je vous propose une suspension de séance pour permettre au secrétariat distribuer les bulletins. Mais avant cela, je voulais vous demander quels sont les candidats. Avez-vous des candidatures à présenter pour le second tour? Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur Fritsch. Merci, Monsieur le Président. Nous maintenons la candidature de Mme Lena Tetuanui pour le second tour. Monsieur le Président, nous maintenons la candidature de Monsieur Tony Géros pour le tour suivant. Merci. Je maintiens ma candidature pour le tour suivant. Bien. Ainsi donc, Mme Lena Tetuanui est candidate. Monsieur Anthony Géros et Monsieur Hirote Farere. La séance est suspendue pour permettre au secrétariat de distribuer les bulletins. À voter. Voilà, Monsieur le Président. Plus personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. Mesdames les secrétaires, voulez-vous procéder au dépouillement, s'il vous plaît?
président, le groupe Tahawera peut se présenter aussi en contrôle, s'il vous plaît. J'arrête le dépouillement. Les conseillers n'ont pas la place, les représentants n'ont pas de place à la tribune du président. Monsieur le Président, je fais valoir mon rôle de candidat. Vous ne pouvez pas interdire un délégué ou un assesseur de surveiller les opérations de représentants de regagner leur place. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas en interdire l'accès aux assesseurs ou aux délégués mandatés par le candidat pour surveiller le bon déroulement des opérations de dépouillement. Ce n'est pas prévu par le règlement intérieur. Auriez-vous quelque chose à cacher, Monsieur le Président? Ce n'est pas prévu par le règlement intérieur. Ni l'isoloir n'est pas prévu par le règlement, Monsieur le Président. Le Président conduit, le doyen d'âge conduit le scrutin, assisté des représentants les plus jeunes qui assument le secrétariat, point. Où est le problème? Faites comme vous voulez, mais je ne procéderai pas au dépouillement tant que ces deux personnes seront là pour gêner le dépouillement. Le dépouillement doit être public, Monsieur le Président. Le vote est secret, mais le dépouillement Monsieur doit Géros, être public. Vous n'avez pas la On parole. Ne doit pas cacher. Vous devez me demander On ne doit pas la cacher parole. À tous ceux vous qui devez, veulent contrôler le dépouillement, le bon déroulement des opérations. Vous devez me demander la parole. Un peu de respect, s'il vous plaît. Commencez par nous respecter, nous d'abord les candidats, avant de parler de respect, Monsieur le Président. C'est le règlement qui a prévu cela. L'isoloir non plus n'a pas été prévu par le règlement. Vous nous l'avez imposé, Monsieur le Président. Vous l'avez pas, on ne vous l'a pas imposé. Vous n'êtes pas passé à l'isoloir. Vous nous l'avez imposé. À la liberté. Qui c'est qui parle? À ce moment-là, Monsieur le Président, je vous demande d'accepter que les caméras de RFO filment l'ensemble du dépouillement. Et le public sera ceux qui vont contrôler les opérations de dépouillement. Le règlement ne prévoit pas. Espèce de tricheur. Monsieur le Président, vous devriez comprendre Monsieur Géros qui n'a fait que tricher lors de l'élection du président de l'année dernière. Il a triché, il a été condamné 8 fois par le Conseil d'État et il veut nous apprendre comment travailler. C'est ça. Monsieur, on peut suspendre la séance, Monsieur le Président? Non, on ne peut pas. Vous n'avez pas le droit de suspendre cette séance. Le dépouillement doit aller jusqu'à son terme. Monsieur Géros, vous êtes un tricheur, Monsieur Géros. Alors arrêtez, ne nous donnez... Qu'est-ce que tu fais? Pas un curé qui traîne par là? Qu'est-ce qui parle? Viens pas. Vous n'avez plus de majorité, vous êtes embêté. Alors vous nous embêtez. C'est pas...
Monsieur le Président sénateur. Monsieur le Président sénateur, vous avez des années de vie politique derrière vous. Vous savez très très bien qu'à toutes les élections territoriales ou municipales, au dernier moment, on respecte la loi, Monsieur le Président. Les fenêtres sont ouvertes, les portes sont ouvertes pour que n'importe quel électeur puisse voir en toute transparence le dépouillement des bulletins. Le public est présent et il assiste au dépouillement. Mais non, voilà. On vous montre les bulletins. Ben on va vous montrer les bulletins. Non, on vous montre les bulletins. On ne voit rien du tout. Je ne dépouillerai pas tant que ces représentants ne sont pas assis à leur place. Très bien. Sinon, on dépouille devant, c'est la table en bas. Oui, pour que tout le monde voie. Ces bulletins sont les bulletins qui m'ont été distribués et qui traînaient sur les bureaux et que j'ai jetés à la poubelle. C'est moi qui les ai jetés à la poubelle. C'est pas Madame Perségal, elle ment. Elle a vérifié. Sinon, changez de place pour faire le dépouillement. Venez devant, devant tout le monde. D'ici, on ne voit rien. Ne voyons pas. On peut demander à tout le monde, là. Mais sans voir. Respectez le peuple, Monsieur Gaston Floss. Laissez-les voir ce dépouillement. Un peu de transparence, je vous en prie. De grâce, de grâce. Ah là là. Bravo. C'est pas parce que vous êtes des salopes que tout le monde est des salopes. Il y avait toujours des caméras. Il y avait toujours des caméras qui avaient le droit. Vous êtes trois tahoueras devant. Mettez-vous à notre place. Mettez-vous à notre place, Lana. Ben vous oui. Trois tahoueras. Ils viennent de perdre leur majorité. Lana, il faut comprendre. Si vous étiez à notre place, vous auriez plus râlé, hein. Ah là là. On mouille. Si vous êtes sûr, venez devant. Venez devant. Ces méthodes sont propres aux tahoueras. Ce sont des méthodes occultes. Monsieur Gaston Floss, pourquoi vous refusez la présence de nos membres? Monsieur Gaston Floss. Vous êtes des représentants de la France, hein? Mais elle s'est shootée, elle. Un peu de liberté, de transparence. Hein?
Elle s'est shootée, elle, ce matin, non? C'est quoi, ça? Quoi? Non. Nana, calme-toi, Nana. Yeah. Oui, on y a plus. Ah, ça peut vous donner une main. Je dois aller à la piscine. J'ai une belle piscine. Je demande aux deux représentants de l'UPLD, de mon groupe, de bien vouloir regagner leur place, s'il vous plaît. Ben donc c'était bien Oscar Temaru. Chantal. Bien. Nous procédons au dépouillement. 57 enveloppes trouvées dans l'urne. Arrêtez le scrutin. Monsieur Birion, votre place est là-bas et non pas là. Arrêtons le scrutin. Voilà. Un peu de respect, monsieur Birion. Ouais, ben commence par toi d'abord, hein. Continuez. Combien il a parlé? Anthony Géros. Bulletin blanc. Nana, tais-toi-nous. Anthony Géros. Ça fait 10. Nana, tais-toi nous. Anthony Géros. Nana, tais-toi nous. Nana, tais-toi nous. Nana, tais-toi nous. Anthony Géros. 15. Nana, tais-toi nous. Anthony Géros. Nana, tais-toi nous. Anthony Géros. Nana, tais-toi nous.
Antonie Géros. Lana Tétouanoui. Lana Tétouanoui. Lana Tétouanoui. Antonie Géros. Lana Tétouanoui. Antonie Géros. Lana Tétouanoui. Antonie Géros. Antonie Géros. Lana Tétouanoui. Antonie Géros. Antonie Géros. Lana Tétouanoui. Lana Tétouanoui. Antonie Géros. Bulletin blanc. Lana Tétouanoui. 25. Antonie Géros. 27. Lana Tétouanoui. C'est fini. Antonie Géros. Wow! Là, j'avais la preuve tout à l'heure. La preuve tout à l'heure. Je conteste le vote, il y a eu tricherie. Monsieur le Président. Je conteste le vote, il y a eu tricherie. Géros a gagné. Lana a perdu. Lana a perdu, il y a eu tricherie. Géros a gagné. Quelle honte! Tenons. Voici donc le résultat du scrutin. 57 représentants composant l'Assemblée. 57 représentants présents. 57 bulletins trouvés dans l'urne. 2 bulletins blancs. Suffrage exprimé, 55. La majorité absolue est donc de 28 voix. Ont obtenu Monsieur Géros, 28 voix. Madame Lana Tétouanoui. Madame Lana Tétouanoui, 26 voix. Monsieur Hirote Farere, une voix. Je proclame donc Monsieur Antonie Géros, président de l'Assemblée de la Polynésie française. La séance est suspendue pour permettre au président élu de regagner son fauteuil. Merci.
deuxième tour. Deuxième tour. Demande aux journalistes d'écouter leur interview, s'il vous plaît.
La séance est reprise. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues, pour la deuxième fois, cette Assemblée m'a fait l'honneur de me désigner pour la présider. Je mesure pleinement cet honneur et je remercie mes collègues pour m'avoir renouvelé leur confiance. Nous sommes, les uns les autres, porteurs non seulement des aspirations et des attentes exprimées lors des scrutins du 23 mai 2004 et du 13 février 2005, mais aussi, plus globalement, du droit légitime des habitants de notre pays à pouvoir y vivre dans la paix et l'harmonie. Nous sommes également comptables et redevables à l'égard de tous des principales valeurs et des priorités sur lesquelles nous avons fondé notre campagne. Le Taoui n'est pas un vain mot. Je souhaite contribuer à le mettre en œuvre au sein de cette Assemblée en y associant tous les élus, en demandant à tous d'oublier les rancœurs, les inimitiés, les disputes du passé. En proposant notamment à nos adversaires politiques, et oui, l'ouverture au sein des instances de notre Assemblée. En mettant en œuvre des conditions de travail permettant à tous les représentants de travailler de manière la plus efficace. En permettant à chacun de s'exprimer au sein de cet hémicycle et en faisant en sorte que nos concitoyens puissent connaître notre travail et faire connaître leurs opinions. Je connais le travail déjà effectué en ce sens et ce que doit notre Assemblée à l'action impulsée par mon prédécesseur. Oui, Hiro, je veux poursuivre et développer ce travail utile. Le règlement intérieur en cours de discussion et qui devrait être adopté après une consultation de l'ensemble des groupes politiques devrait nous permettre de concilier efficacité et respect du débat démocratique. Efficacité avec une diminution du nombre des commissions et une répartition des tâches permettant de faire respecter l'équité dans la charge de travail des représentants. Efficacité encore grâce aux précisions apportées dans des domaines jusque-là vaguement évoqués par la loi statutaire. Efficacité toujours grâce aux nouveaux moyens apportés aux élus et à la redéfinition de leur statut, de notre statut. Efficacité enfin avec l'utilisation des nouveaux outils d'information. Démocratie également, car nos élus pourront s'exprimer pleinement sur tous les sujets qui leur seront soumis, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. Démocratie toujours, puisque notre Assemblée devra pleinement jouer son rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Je sais qu'il existe une forte demande des élus pour que le gouvernement vienne s'expliquer et répondre efficacement et rapidement aux questions orales et écrites qui lui sont posées. Je veillerai à ce que cette volonté soit respectée. Démocratie enfin, car notre Assemblée doit être la chambre d'écho
de la volonté populaire qui seule nous donne notre légitimité. Vous m'avez choisi pour être votre porte-drapeau, dirais-je. Je saurai porter cette bannière avec humilité, respect et dignité. Maruru Tfaru Ramay. Pour nous permettre de poursuivre la séance, étant donné que nous avons déjà avancé dans l'après-midi, je vous propose une suspension de séance et une reprise à 3 heures afin de nous permettre d'aller déjeuner. Maruru. La séance est suspendue. Mesdames, Messieurs, la séance est reprise. Alors, comme prévu, nous passons maintenant à l'élection des membres du bureau de l'Assemblée. Et je demanderai donc au secrétaire général de donner lecture des dispositions relatives à l'élection des membres du bureau de l'Assemblée Tunisie-Française. Monsieur le Président, l'article 3 du règlement intérieur indique que le bureau de l'Assemblée se compose du président, de 3 vice-présidents, 3 secrétaires et 3 questeurs. Le président, assisté des 2 secrétaires provisoires, procède alors à l'élection des autres membres du bureau. Les autres membres du bureau sont élus au scrutin de liste secret, sans panachage ni vote préférentiel. La majorité absolue est requise au premier tour de scrutin. S'il y a lieu un deuxième tour, la majorité relative suffit. Tout groupe constitué qui en fait la demande écrite doit être représenté proportionnellement sur chaque liste déposée. Les sièges non pourvus après cette répartition sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand des suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé. Toutefois, si un groupe constitué ne désigne pas de candidat, les sièges qu'il a vocation à pourvoir sont répartis entre les autres groupes constitués proportionnellement à leur importance numérique, rapportés au nombre total des autres membres du bureau. Aucun retrait de groupe ne peut être accepté après que le président ait donné lecture des listes proposées au suffrage de l'Assemblée. Alors, dès que le bureau est élu, le président de l'Assemblée de la Polynésie française suspend la séance pour permettre l'élection des 3 vice-présidents, des 3 secrétaires et des 3 questeurs. Article 5 du règlement intérieur, aucun débat ne peut avoir lieu avant l'installation du bureau dans ses fonctions. Après l'élection du bureau, le président le proclame solennellement installé, puis on notifie composition au président du gouvernement de la Polynésie française et au commissaire. Je demande donc aux 2 secrétaires provisoires de venir prendre la place devant, comme ce matin. Pascal et Lama. Alors, les propositions de candidature ayant été enregistrées au secrétariat général, la liste des membres du bureau a été en conséquence préétablie. Je demande à ce titre au secrétaire général de donner lecture de la proposition de liste préétablie pour la formation du bureau de notre Assemblée. Monsieur le Président, voici la liste. Madame Tamara Bob Dupont. Madame Chantal Tahiata, Monsieur Jean-Alain Fribaud, Monsieur Jean-Michel Calson, Madame Rosina Chinfou, Madame Lana Tetouanoui, Madame Lucette Taïrou, Monsieur Jean-Christophe Bissou et Monsieur Temori Foster.
décoration du vote. Demande qu'on place l'urne sur la table de décharge, car nous allons procéder aux opérations de vote. Le scrutin est ouvert. Je demande au secrétaire de montrer l'urne, s'il vous plaît. Madame Algon, Emma. À voter. Madame Big Sabrina. À voter. Madame Bouzi Herrera Auxilia. À voter. Madame Bob Dupont-Tamara. À voter. Monsieur Bissou Jean-Christophe. À voter. Madame Bouton-Nicole. À voter. Monsieur Brion Jacqui. À voter. Monsieur Calcent Jean-Michel. À voter. Madame Chinfo Rosina. À voter.
Monsieur Domingo Dauphin. À voter. Madame Flore Romance. À voter. Monsieur Flos Gaston, absent. Monsieur Foster Temauri. À voter. Monsieur Frébeau Jean-Alain. À voter. Monsieur Fritz Edouard. À voter. Monsieur Géros Anthony. À voter. Madame Haïti Pascal. À voter. Madame Hirshon Onoutea. À voter. Madame Iriti Teura. À voter. Monsieur Kohomoitini René. À voter. Monsieur Lison Marcelin. À voter. Madame Araya Emma. À voter. Monsieur Maraï Urateina. À voter. Monsieur Mataoua Mairon. À voter. Madame Mati Juliana. À voter. Madame Merceron Armel. À voter. Madame Mouévé Amo Véronique. À voter. Monsieur Moutam Thomas. À voter. Madame Naya Tripaya Maron. À voter. Madame Olivier Marise. À voter. Madame Parker Eleanor. À voter. Madame Pater Delia. À voter. Madame Persegal Daniel. À voter. Monsieur Pihatin André. À voter. Madame Richton Monique. À voter.
Monsieur Rivette à Frédéric. À voter. Madame Rochette Stella. À voter. Monsieur Sandras Bruno. À voter. Monsieur Gilles Philippe. À voter. Monsieur Sommers Eugène. À voter. Madame Taïro Lucette. À voter. Madame Tahara Guilinda. À voter. Madame Tahiata Chantal. À voter. Madame Tahou Atama Juliette. À voter. Madame Tama Françoise. À voter. Monsieur Tefare de Hiroiti. À voter. Monsieur Térémathé Ruben. À voter. Monsieur Téritéheu Roberto. À voter. Madame Teruatea Sylviane. À voter. Madame Tétouanou Ilana. À voter. Monsieur Tétouanou Inoua. À voter. Monsieur Tongson Gaston. À voter. Madame Tuchot-Billière Catherine. À voter. Monsieur Veraroa Howard. À voter. Monsieur Van Bastolet Raymond. À voter. Monsieur Wangshu William. À voter. Enfin, Monsieur Yip Michel, absent. Voilà, je pense que j'ai appelé tout le monde. Merci. Le scrutin est clos. Nous passons maintenant à la phase de dépouillement. Je demande au secrétaire de bien vouloir rejoindre le perchoir, s'il vous plaît.
57 représentants composant l'Assemblée. Un peu plus souillé, ça fait du bien, Lana. Représentants présents, veuillez poursuivre le dépouillement, s'il vous plaît.
Voici les résultats du scrutin. 57 représentants composant l'Assemblée, 55 représentants présents, 55 votants, donc 55 bulletins trouvés dans l'urne, 2 nuls et 53 suffrages exprimés. La liste obtient donc 53 voix. En conséquence, sont élus membres du bureau de l'Assemblée de la Polynésie française Madame Tamara Bob Dupont, Madame Chantal Tahiata, Monsieur Jean-Alain Frébeau, Monsieur Jean-Michel Calson, Madame Rosina Chinfo, Madame Lana Tetouanoui, Madame Lucette Taero, Monsieur Jean-Christophe Bissou et Monsieur Temori Foster. La séance est suspendue pour permettre aux membres du bureau de procéder à l'élection des 3 vice-présidents, des 3 secrétaires et des 3 questeurs. J'invite les membres du bureau à se rendre dans la salle des commissions. La séance est suspendue. La séance est reprise. Alors, à l'unanimité des membres du bureau, je vous donne lecture de la composition du bureau de l'Assemblée. Première vice-présidente, Tamara Bob Dupont. Deuxième vice-présidente, Chantal Tahiata. Troisième vice-président, Jean-Alain Frébeau. Première secrétaire, Rosina Chinfo. Deuxième secrétaire, Lucette Taero. Troisième secrétaire, Lana Tetouanoui. Premier questeur, Jean-Michel Carlson. Deuxième questeur, Temori Foster. Troisième questeur, Jean-Christophe Bissou. Je demande aux premières et deuxièmes secrétaires de bien vouloir rejoindre votre poste, s'il vous plaît. Rosina Chinfo et Lucette Taïrou. Je demande aux deux secrétaires, la première et la deuxième, de venir prendre place. Rosina Chinfo et Lucette Taïrou. Merci. Nous poursuivons notre ordre du jour. Donc, en ce qui concerne la convocation de la prochaine séance, je demande à l'Assemblée, si elle est d'accord, de m'en laisser l'initiative. Alors, je propose pour cela de passer au vote conformément aux dispositions du règlement intérieur. Ceux qui sont pour ? À l'unanimité. À l'unanimité. Voilà, mesdames et messieurs, les représentants. Non, elle n'est pas d'accord. Donc c'est
Nous reprenons le vote. Ceux qui sont pour. Vous pouvez répéter la question, Monsieur le Président, s'il vous plaît. Alors, je viens de dire qu'en ce qui concerne la convocation de la prochaine séance, si l'Assemblée est d'accord, je propose de laisser le choix de la date à ma diligence. Pour cela, conformément aux dispositions du règlement intérieur, je fais procéder au vote. Ceux qui sont pour. Ceux qui sont contre, ceux qui s'abstiennent, donc je vous remercie de la confiance que vous m'accordez à nouveau. Donc voilà, mesdames et messieurs les représentants, je vous remercie tous d'être venus, la séance est close.